Ok, donc bonjour à tous et à toutes, donc c'est parti pour la suite de Blasphemous 1, le 9e épisode. Donc on était à 74-23. Donc on va voir. Alors du coup... Donc là ça c'est le truc qu'on doit faire juste après. Mais je veux juste voir qu'en fait il y a des choses qu'on n'a pas vues. Bon, on va y aller quand même. Et on va voir ce qui va se passer. In my dreams, I heard your footsteps coming closer. In my dreams, I tried to talk to you and introduce myself. Guardian of the miracle and of the miracle banner, with great pain, I carry the emblem of the Father. I am the hands of bloodied skin. I am the eyes from which our mother gazes. But nothing I know of you, apart from your cold, nameless visage. Apart from your calloused and wounded hands, apart from the mourning of your deaths. No, I know nothing of you. Only the miracle knows. Okay. Now may your sword full of guilt with mine of gold collide. Let them hurt and march in procession. I curse you forever in name. I bless you forever in death. Ah d'accord. Oh putain. Putain. Oh, le mauvais timing. Je sautais au mauvais moment. Par contre, je m'attendais pas qu'il y avait un boss, en fait. Ils mettent sa sainteté. Mais en fait, c'était lui qui nous parlait depuis le début, là. Genre, on lui trouvait des masques. Et en fait, il ouvrait peu à peu sa tête. Son visage, il est pareil. No. Now make the I. Ok, bon. Oh, oh, oh. What? C'est quoi ça? Non mais attends. Je sens que c'est avec la merde. Mais c'est bizarre qu'il y ait deux boss en même temps. Genre on avait le... À l'épisode 8 on avait les... merde. Une comme moi, mais sauf que c'était en femme. Elle était ultra puissante. Et juste après t'as un boss. Sa sainteté. Donc je me demande pas s'il faut pas fouiller un peu plus en fait. Thank you.
On peut lui faire des dégâts avec. Ça traverse même le bouclier. Pas sauter. Nickel. Bon, ça va, il avait pas de vie. En vrai. Quoi ? Comment ça, éveillé ? Ok, dernier fils du miracle. Ah, faut taper l'œil. Il est moche, hein. Mauvais timing. On lui fait rien en dégâts en phase 2. Je fais 0 dégâts. Alors. Mettre ça. Attends, je vais refaire ça propre. Ça, c'est ma défense. C'est quoi ça?
On va prendre ça. Hein. Après, on a ça. Pour avoir un slot en plus. Mais c'est vrai qu'on a des choses qu'on n'a pas vues. Là, des choses qu'on n'a pas vues. Bon. Attends, est-ce qu'il y a une main? Vas-y, on va y aller. Je pourrais juste prendre un slot. Ça va, c'est à côté. Non, pas encore. Je prends pas les TP, ça sert à rien. Je crois que c'est ici. Du coup. Mettre ça. Ok. Il me semble qu'en bas il n'y a pas une vendeuse. Non, c'est pas ici. Oh, c'est ici. Ici, j'ai tout fait en fait. Je suis sûr, il doit y avoir des trucs cachés que j'ai pas fait. Bon allez, on retourne ici. Normalement, ça doit être bon. C'est vrai que j'aurais dû fouiller un peu plus pour avoir un peu plus d'objets intéressants. Mais je ne l'ai pas fait. Bon, ça irait plus vite. Et ça ira plus vite. T'es grâce à l'objet, je vais vite. Hein. Magnifique. In my garden, I am not a part, no. Now make them I.
Ce qui est terrible, c'est que j'ai que 3 billes. Et le moyen, je pouvais en acheter un. Hein. Mais faut que je retrouve les vendeurs. Non mais attends. Un laser, ça m'a enlevé toute ma vie. Je crois qu'ici, il doit y avoir un truc. En fait, j'aurais dû marquer tous les vendeurs. Je vais aller ici. Hein. Au son, je sais pas quoi, mais pitié. En fait, c'est même pas pour battre le boss. C'est plus pour m'améliorer pour pouvoir le battre. En fait, première phase, ça va. Ouais, première phase ça va, mais dès que j'arrive à la phase 2, je fais ça en dégâts. Zéro. Je vais canner. C'était où? C'était au faubourg. C'était ici que je pense qu'il y a un vendeur. Songe de pitié. Pour moi, il y en a un là. Ici, je crois qu'il y a un vendeur. Mais y a pas de vendeur ou quoi? On va aller ici, de toute façon. Ah, d'accord. C'est quoi comme objet que j'ai? Je sais pas, j'arrive à passer maintenant.
Non mais comment tu veux que je fasse? Je passe. Parce qu'en fait là quand je descends, il n'y a rien. Donc faut que je remonte. Du coup, je peux passer donc. En haut, il y a un truc. Aha. Je peux pas le prendre. En tout cas, ça me fait une ouverture. Oh. Ah, faut que je fasse le tour. Là, je peux même pas le récup. C'est une blague. Ah. Ça, je l'ai pas fait ça. Ouais, je l'ai pas fait ça. À mon avis, il va me falloir un objet. Ou genre... ça fait rien dans l'eau en fait. Et attends. Non. Ici, il y a un truc.
Ah oui, il y a ça. Je pense qu'en bas, il y a peut-être des... Genre du sable rouge. Oh! Je peux même pas monter. Je cherche un défaut. À la base, je cherche juste des vendeurs. En fait, c'est juste les vendeurs qui ont des objets intéressants qu'il me faut. C'est tout. Donc là, c'est le chauve, là. Non mais lui il va me casser la tête tout le temps lui. Donc ici j'ai tout fait. Je vais quand même voir. Flacon de bile. Oh. Oh la joie. En fait... Je suis une merde. Putain. En plus, j'ai un flacon de bile. Mais faut que j'aille à un endroit pour le remplir. Où il y a du sang. Alors c'était où j'étais au début? C'était ici je crois. Je crois que c'était là. Oh j'ai envie de canner. En fait, l'objet que j'ai eu, c'est bien, c'est ce que je voulais. Mais maintenant, pour le remplir, il faut du sang. Y'a rien qui va.
mal barré. Hein. Oh, je me suis trompé. Ah mais c'est ici en fait, je suis un bouffon, c'est marqué. Même pas là en plus. Mais vas-y, faut que je fasse tout le tour, c'est honteux. Ah mais non en fait. Parfait. Et voilà, 4. Vas-y, tue-moi. Bon, ça va être long, mais... Faut qu'il me tue comme ça, ça me repop là-bas. Je pense qu'avec 4 fioles, ça devrait aller pour ce boss. En plus, on a un slot en plus. On est très bien. En plus, on a 4 fioles, et en plus de ça, on a des fioles augmentées. C'est... Ça veut dire que c'est plutôt pas mal, en fait. Alors, attends. Pourquoi je me trompe, hein. Brandit cette épée tout en réduisant leur défense. Je crois que c'est pas mal, ça. I am that not a part, no. Now, I... Ouais, c'est plus long, hein.
Ah, la vie qui me reste, toi. Un PV. Et en plus, je crois que j'ai pas d'objet pour avoir une défense contre la magie, je crois pas. Ici, il faut juste perfect. Fait trop mal. J'ai pas de défense. Il y a moyen. Oh non. Thank you.
Oh la chance de ouf, RNG de malade. Là j'ai une bonne RNG. Summa Blasphemia. Ah, j'ai pas eu d'objet. Hein. You have freed His Holiness from his afflicted torment, and now he walks by the old processions on the other side of the dream. The cradle of the grievous miracle, the final relic, the grail of blood and gold that emanated from the forehead of the Father as he silently lamented the moment of his blessed twisting. That first relic is here, at the top of the Ashen Mountain, next to the Turn Throne, where His Holiness was kissed by a miraculous pain. And now, your final communion with the miracle awaits. Only you will be able to know how much of it has seeped into your guilty heart. Your communion with the first miracle. Il veut même pas. Hein. Vers quoi faut monter? Mais on monte jusqu'à où? Sinners alike has had no mercy on you either. At the mercy of the miracle you were, and at the mercy of the miracle you remain. You are no longer anything but one more anonymous visage, without a voice, without countenance. Your penitence is over. D'accord. Et ça se finit comme ça. Donc ça veut dire que j'ai probablement la fin de merde. C'est sûrement ça. J'aurai une fin de merde. Ah, c'est mon épée. Ça, c'est pour dire qu'il y a une suite. Ok. Bon, normalement, il y a une image qui indique vous avez débloqué un nouveau vêtement et tout. Mais c'est juste que vu que j'ai déjà une deuxième partie, j'ai déjà fini le jeu. Du coup, bah, je l'ai pas à l'image. Mais en gros, c'est ça, quoi. Je sais pas ce que c'est. Chagrin sacré. Je sais pas ce que... Ah! Donc je suis à 75,12. Ça veut dire que j'ai joué moins de temps que ma partie principale, qui est donc 20 heures. Et pourtant, on est quasiment similaire. Donc ça veut dire que j'ai pas totalement bien joué. Mais je sais pas ce que c'est ça. Déjà supplément. Ah, on peut changer le style. Sincère apothasie. Voilà. Et ce chagrin, je sais pas ce que c'est. Choisissez un parcours. Ah, c'est pour un mini-jeu ou un truc comme ça? Faut voir si on revient là-dessus.
Et du coup, on revient devant le... Et du coup, on peut refaire le boss. C'est ça, hein. Ok. Bon. Ah, je suis à 91% de la carte. En haut à gauche. Et je suis à 22 sur 38. C'est vrai qu'après, je suis passé devant aussi, hein. Donc, c'est vrai qu'il faut juste que j'aille fouiller, faire les petits bouts qui manquent, tu as des cartes, pour arriver à 100%. Tout en essayant de trouver tous les objets cachés et tout, pour arriver au moins à 80, voire 100%. Mais tout ça, je ferai ça en off. Le principal, c'est que le jeu soit terminé. Voilà. Après, si par exemple, y a moyen de faire un épisode 10 ou 11 ou 12, seulement pour récupérer les objets importants, ou s'il y a des boss cachés que j'ai pas découvert, je ferai. Mais considérez que l'aventure se termine maintenant. D'accord ? Mais je ferai genre épisode, par exemple, 9.1. Pour dire la suite de ça. Enfin bref, c'est bizarre, mais voilà. Vous avez compris. Du coup, je vais m'arrêter là. On verra donc cela pour la prochaine fois. Donc je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Likez et commentez. Et surtout, abonnez-vous. C'est important. Donc je vous dis possiblement à Blasphemous 2, la suite. J'ai hâte. J'ai déjà fait une vidéo découverte sur le 2, hein, sur Blasphemous 2. Mais là, ça sera l'aventure. Donc du coup, ce sera en fait une sorte de... une pré-aventure en soi. Ok ? Donc du coup, moi je vais m'arrêter là. On verra donc cela pour la prochaine fois. Donc je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye à tous.